Amen. I said, come on, you know. Après ce matin, parce que quelqu'un a fait que cette masse après ce matin. Voilà. Non, mais. En tout cas, je me suis mise à genoux et j'ai prié dans l'après-midi. En priant, j'ai vu qu'il y avait un fou devant qui allait. Et il y a deux personnes qui sont allées tirer le fou, sont venues vers moi et me demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour ce fou. Donc j'ai commencé par donner des instructions pour pouvoir prier pour la personne et la personne guérie. Donc quand j'ai fini cette prière, c'est un rocher. Je priais, c'est pas un son, je priais, je voyais ça. Donc quand j'ai fini de prier, je me suis couchée. J'ai dormi et à mon réveil, quelqu'un, avant que je ne me réveille, il y a quelqu'un qui me dit, je suis en train de t'envoyer comme j'ai envoyé Moïse. Ok. Dans ce cas, nous allons vous, le Seigneur nous a envié de vous donner le nom Séphora. Séphora, c'est la femme de Moïse. Gloire à Jésus. C'est le nom de la femme de Moïse. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas porter le nom d'un homme. Voilà. Donc, le Seigneur, par la Bible, dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'est pas point calme. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur, quand on vous a dit parle, le Seigneur va s'inspirer de vous donner le nom et pourra gloire à Jésus. Donc, à partir de maintenant, le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, c'est votre nom ici même. En priant, j'ai vu que je ressentais que tout mon visage, ça c'est comme... Qu'on appelle la gloire de Dieu. Jésus dit dans le livre de Jean, oui, le verset 2, il dit, je suis la lumière du monde, c'est la lumière. Et Jésus, vous avez vu, vous voyez, voilà. Il a dit que je t'ai déjà choisi et je t'ai pris. Regarde ton visage, je vois. À des moments donnés, ça brûle tout comme si il y a du feu sur mon visage. Et me dit que quand je dialogue avec lui, il dit que tu es lumière. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Ok, nous allons prier pour la servante de Séphora et demander que le Seigneur nous soutienne dans la marche. Notre Seigneur des serfs Israël, aujourd'hui nous te baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
La sœur Sephora, nous baptisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Seigneur Jésus, je prie en ce moment même. Je te dis dans le livre chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance de cette puissance qui venant sur vous. Et vous serez mon témoin à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. À l'instant même. Et je prie maintenant que tu souffres ton âme. Viens, enflamme ton âme. 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 Que tes dons te réveillent. 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 Que tes dons soient enflammés maintenant. Enflammés maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ta lampe. Mets de l'huile dans ta lampe. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ta lampe. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ta lampe. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ta lampe. Seigneur, mets de l'huile dans ta lampe. Seigneur, je prie maintenant que ta coupe déborde. 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 Parce que tu as mis en elle pour te servir. Tiens, c'est le moment de les réveiller. Tiens, réveille-les maintenant. 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 Amen. Tiens, Jésus, je prie maintenant à l'instant le don de l'évangélisation que tu as mis en elle. Que ce don l'enflamme. Que ce don soit enflammé. Que ce don soit enflammé. 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 Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Seigneur, selon tes recommandations, nous recevons pas seulement ton carte du salut, mais nous recevons de la grâce de Dieu. Amen. De la sainte, de la sainte, de Amen. Enflammé. La foi. Il faut la foi. Oui, Seigneur, que ton bouclier descende dans ta main. Que ton bouclier descende. Tu saisis ton bouclier. Tu saisis ton bouclier. Tu saisis le bouclier de la foi. Saisis la foi pour arrêter tout ce qui est enflammé de l'ennemi. Saisis le bouclier de Jésus. Que l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Pour Jésus que chef ouais l'ain baptême les voisins dans son travail maintenant il y a l'interdit de tout maintenant quel est l'interdit si tu as voulu quel est l'interdit de maintenant il y a pas d'interdit d'accord maintenant toi même là qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur Jésus tu veux chanter pour Jésus. Mais avant de chanter pour Jésus, il faut d'abord. Tu veux chanter pour qui? Dieu. Maintenant, cette chanson va édifier qui? Les chansons que tu veux chanter là, qui sont ceux qui veulent écouter? Qui sont ceux qui veulent écouter? N'est-ce pas les enfants de Dieu? Maintenant, si ces enfants de Dieu ne sont pas là, qui sont ceux qui vont écouter? Donc, il faut d'abord carrer. Ramener les enfants. D'abord, les enfants de Dieu là. Et maintenant, chanter pour eux, et il y aura des prodiges, des miracles dans la vie. Donc, on a plus de choses d'abord, tout d'abord. Jésus a gardé d'abord les âmes de Jésus. D'accord? Donc, c'est ça d'abord. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, voilà tes enfants, c'est ce qu'ils sont, ils viennent dans la marche. Seigneur, que ça puisse soit un témoignage. Seigneur, que ce soit un témoignage.
Merci. Aujourd'hui, tu es mort. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il disait, à partir de maintenant, le ciel est ouvert et les anges vont descendre et repartir. C'est comme si les gens sortaient de l'endroit qui était vide derrière. C'est comme si leur demeure là-bas. Ils sont venus à la montagne. Comme si là, c'est ma montagne. C'est vrai, docteur. Là, je ne vois pas. C'est la merveille de Dieu que le Seigneur est en train de vous faire monter. Et voilà et ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire après ce moment le matin. Vous devez fuir et loyer le péché. Vous devez fuir le péché. Vous devez garder votre robe. Le feu que le Seigneur a allumé en vous, vous devez garder ce feu en vous. Et maintenant, fuir le péché. Sinon, sachez bien que ce moment de délivrance que vous aviez fait, c'est autre chose à part. Mais la vie après la délivrance, c'est autre vie. Amen. C'est autre vie. Et cette vie, c'est le moyen du péché. Cherchez la volonté de Dieu. Méditez beaucoup. Méditez la parole de Dieu. C'est en méditant que vous allez connaître qui est Dieu. Parce que la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc, c'est pour vous dire que c'est la parole de Dieu qui pourra vous sanctifier. C'est en méditant la parole de Dieu que vous allez connaître en réalité les profondeurs de Dieu sous la puissance de cette prière. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Allez dans la paix. Shalom. Amen. Le Seigneur, je suis avec vous. Je suis la paix. Mais après, je vais vous donner le Seigneur. Je suis avec vous. Mais le copinage, non. Donc tu viens au petit silence.
Voilà, donc on peut commencer. D'accord.